Eh bien, bonjour les amis, c'est Franck, Franck de la team Guital. Et bien aujourd'hui, c'est le reset de la semaine sur Destiny. Donc, je vais vous proposer en solo le nuit noire de la semaine qui est donc le prêtre archonte. Alors, j'espère que ça vous plaira solo parce que j'ai pas d'amis ou pas de connaissances ou de collègues connectés. Ce sont les vacances, effectivement. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous dis bon visionnage et à très bientôt, les amis. Déchus de la dépression d'Ishtar sur Vénus, ils auraient attaqué la prison des vétérans en récif et capturé un prêtre archonte. Vu la prime de la reine, il doit être puissant. Nous devons le retrouver avant qu'il ne régénère totalement son esprit. Ils peuvent restaurer l'âme du prêtre archonte d'un moment à l'autre. Allons plus vite à la caverne. Ici. Si les déchus affrontent déjà les Vex, nous ne pourrons pas les surprendre. Le prêtre archonte sera bien défendu.
Nous devons passer. Laissez-moi voir.
C'est ouvert. Dépêchons-nous. J'intercepte une communication déchue. Il s'apprête à réactiver le prêtre Archonte. Dépêchons-nous. Ils nous en voudront si on prend leur pic. Thank you.
Un caisson, de la prison des vétérans. Le prêtre Arconte est encore à l'intérieur.
Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? Jamais dû quitter la prison des vétérans. Je vais prévenir l'avant-garde que le prêtre Arconte est mort. Il y a un prêtre Arconte de moins. Parfait. Mais si les déchus savent où se trouve la prison des vétérans, ce type d'attaque risque de se multiplier. Pour l'instant, fêtons notre victoire. We'll be right back.